San Gennaro, c'est quoi qui prédomine là un petit peu à chaud? C'est la colère, la déception de ne pas avoir fait la différence à 11 contre 10? C'est la dernière action? C'est quoi un petit peu ce que vous avez dans le cœur? Ah, Michel, prima della partita penso che tutti pensavano che oggi era sicuro che perdeva la squadra, te l'ho detto giovedì in conferenza stampa. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sicuramente siamo stati avvantaggiati che loro sono rimasti in 10, però la squadra, anche se abbiamo sbagliato tecnicamente qualcosa, squadra viva, una squadra che potevamo vincere, però non posso dire niente alla squadra oggi. Vogliamo parlare del gol all'ultimo minuto di Vitinha, quello fa parte del calcio, io non ci posso fare nulla, non ci possiamo fare nulla quando si sbaglia un rigore, quando si sbaglia un appoggio, però penso che abbiamo fatto una partita importante, dopo è normale, brucia non aver vinto, eravamo contro una squadra. Penso che giovedì l'ho spiegato bene, che quando perdi palla portano sistematicamente 4-5 uomini in avanti, vanno in verticale e hanno grandissima qualità. Era rammarico, c'è grande frustrazione sicuramente. Je pense qu'avant le match, tout le monde pensait qu'on perdrait à coup sûr. J'en avais déjà parlé jeudi. Honnêtement, on a fait ce qu'on avait à faire. Après, c'est vrai qu'on peut penser au fait que, ouais, ils étaient à 10, donc on aurait pu l'exploiter mieux. C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs techniques, mais après, je pense que l'équipe vraiment a montré qu'elle était en vie. On aurait pu l'emporter. Donc moi, j'ai rien à dire à mes joueurs. Après l'occasion de Vitinha à la dernière minute, honnêtement, on ne peut rien y faire. C'est comme quand un joueur rate un pénalty, quand voilà, on manque le dernier tir. Ce sont des choses terribles. Ouais, je pense vraiment qu'on a fait un gros match. C'est dommage, évidemment. Ça me reste un peu en travers de la gorge. Mais après, voilà, on savait aussi la manière dont joue Monaco. Ils ont toujours, dans cette phase, 4-5 joueurs portés vers l'avant, vraiment très verticales. C'était difficile. Donc c'est vrai que y a de la frustration, mais il y a aussi ça qui reste. Bruno. Coach, bonsoir. On est obligé de vous parler de Vitinha, vous en avez parlé un petit peu. Est-ce que vous lui avez parlé après le match? On l'a vu très déçu rentrer directement au vestiaire parce qu'il fait un match dans l'intensité, dans les duels où il est présent, mais il manque quand même deux, trois occasions de but et on le sent vraiment très en difficulté mentalement du coup. Sono d'accordo con te, però un ragazzo giovane, un ragazzo che nello spogliatoio era molto triste, però il gioco del calcio è bello perché ogni 4 giorni, ogni 5 giorni puoi rifarti, puoi fare bene, però io penso che in questo momento per giocare a calcio ci vuole veleno, io lo chiamo veleno, lo chiamo passione, bisogna lavorare per passare i momenti negativi e penso che in carriera tutti attraversano momenti negativi e quando se stai bene mentalmente, se hai voglia di migliorarti, e penso che lui è un ragazzo giovane e deve pensare a questo, sta vivendo un momento negativo, però ha tutto per potersi rifare e solo col lavoro si può rifare. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est vrai, c'est un joueur jeune, il était très triste dans les vestiaires, mais la beauté du football aussi, c'est que tous les 15-5 jours, on a la possibilité de se refaire, de prendre un peu une revanche. Donc voilà, moi, ce que je dis toujours quand on joue au foot, et pour jouer au foot, il faut ce que j'appelle le venin, la passion. Je pense que c'est par ça qu'on arrive à dépasser, à affronter ces moments négatifs. Donc voilà, si on arrive à être bien mentalement, peut réussir à les affronter et c'est quelque chose auquel il faut qu'il pense, voilà, surtout que c'est un joueur jeune et ça passe aussi par le travail. Et je voulais vous poser une question sur Jonathan Clauss, parce qu'on l'a vu sortir et manifestement très malheureux sur le banc. Est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que c'est une grave blessure ou pas, s'il vous plaît? Io mi devo fidare dei giocatori, io non so, ho parlato con il dottore, sembra che non sia una cosa grave.
Alors, je dois faire confiance aux joueurs. J'ai parlé avec le docteur. A priori, ce n'est pas quelque chose de grave. Salut. Ouais, bonsoir, coach. Juste là. Votre équipe, elle ne perd pas. Et franchement, l'état d'esprit, il est plutôt là. Mais l'OM fait du surplace. Il y a trois matchs nuls d'affilée. Est-ce que ça vous inquiète ou pas forcément? Noi siamo questi in questo momento, non ci piangiamo addosso, guardiamo avanti. Abbiamo pareggiato con Rennes, abbiamo preso i rigori. Abbiamo pareggiato con lo Strasburgo, abbiamo pareggiato oggi. Bisogna guardare avanti. Il problema è che in questo momento non. Io penso che più di questo oggi non potevo chiedere alla mia squadra. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, è una squadra che in questo momento. Non mi va di parlare di sfortuna, perché è troppo facile parlare di sfortuna, però penso che alla fine tanti episodi, tante piccole cose, da quando sono arrivato qua, se andiamo a fare la conta, sono tante. È per questo che non voglio parlare di fortuna. E la fortuna una squadra se la va a cercare, i giocatori se la vanno a cercare, uno staff tecnico se la vanno a cercare. E noi penso che non siamo bravi abbastanza in questo momento di poter dare quella girata e di far cambiare questa stagione. Alors, je pense que c'est un peu la représentation de ce qu'on est à l'heure actuelle, mais il faut vraiment qu'on regarde vers l'avant. C'est vrai qu'il y a eu le nul contre Rennes, après on était éliminé au tir au but, le nul contre Strasbourg aujourd'hui, mais honnêtement, je ne pense pas aujourd'hui que c'était possible d'en demander plus à mes joueurs. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. J'ai pas envie de parler de malchance, ce serait trop simple, mais depuis mon arrivée, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui jouent sur des détails, sur des petits épisodes. Donc tout ça accumulé, ça fait quand même beaucoup. Après, la chance, justement, pour inverser un peu cette tendance, il faut la chercher, il faut la trouver, et c'est quelque chose que mes joueurs, mon staff, moi-même, on n'a pas encore réussi à faire pour inverser cette tendance au niveau de la saison. Merci.